après des années de mariage, Kanye West et Kim Kardashian ont décidé de continuer leur route chacun de leur côté. Seulement, les anciens amoureux sont restés très proches et continuent de se soutenir dans leurs différents projets. Ainsi, jeudi 5 août 2021, à l'occasion du concert organisé par le rappeur de 44 ans au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, pour dévoiler les nouvelles chansons de son album Donda, il a pu compter sur le soutien de son ex-femme et de leurs enfants. L'influenceuse a d'ailleurs partagé deux photos de l'événement qui s'est déroulé à guichet fermé. Au cours d'une de ses nouvelles chansons, Kanye West a laissé sous-entendre que son mariage avec Kim Kardashian n'était peut-être pas si terminé que ça. D'ailleurs, selon lui, la mère de ses enfants est toujours amoureuse de lui. Sa venue lors de ce concert en est la preuve. Dans plusieurs chansons, il a évoqué son ex-femme ou leurs enfants. Pour soutenir encore un peu plus le père de famille, la femme d'affaires de 40 ans avait choisi de porter des Yeezy aux pieds, la ligne de chaussures Adidas conçue par le rappeur, ainsi qu'une tenue entièrement signée Balenciaga x Kanye West. Les enfants étaient habillés de la même manière. Une nouvelle preuve de la bonne entente et du soutien qui règne entre les deux ex. Combien d'enfants ont Kim Kardashian et Kanye West? Lors de la première écoute du nouvel album du rappeur, Kanye West avait déjà fait le déplacement. Si selon les parents, leur bonne entente est avant tout évoquée pour le bien-être des enfants, de nombreux fans des stars assurent qu'ils entretiennent une relation ambiguë. Selon eux, les signes s'accumulent et montreraient que le couple pourrait se reformer. Les nouvelles déclarations du rappeur ne vont faire que relancer cette rumeur.